Pendant longtemps, j'ai été le compagnon des hommes. Des centaines de millions d'individus, à travers les continents et les siècles, ont trouvé et trouvent encore aujourd'hui du bien-être en moi. Je donne du réconfort, de l'apaisement, de la joie et même de l'estime. Grâce à moi, chacun peut, ne serait-ce qu'un moment, oublier tous ses soucis, ses frustrations, ses échecs. Mais par quel miracle, me demanderez-vous, je procure du bonheur autour de moi? C'est un secret. Dans votre mélancolie, vous réclamez mes vertus en me prenant du bout des lèvres, et je me disperse sournoisement du fond de votre gorge jusqu'au moindre capillaire sanguin de votre corps, pour enfin atteindre ma destination finale, votre cerveau. Là, je commence mon œuvre. Je réduis à néant votre attention, vos réflexes, votre perception de ce qui vous entoure. J'étouffe peu à peu votre âme pour mieux la pervertir. Vous n'êtes plus le même et vous ne vous en rendez pas compte. Pendant que je vous berce dans des mirages de bien-être, je détruis lentement votre être, tout ce qui fait votre personnalité, mais aussi votre santé. Votre famille s'inquiète pour vous et ne vous reconnaît plus. Mais qu'importe, je vous ai déconnecté de la réalité. Plus rien ne compte sauf l'illusion d'apaisement que je vous donne. J'en ai marre de t'attendre pendant des heures entières! Mais qu'est-ce qui te prend, chérie? Mais ras-le-bol de tes cuites, ivrogne! Tiens! Tu prends tes affaires et puis tu vas te cuire ailleurs! Accorde-moi encore une chance. Mon emprise est telle qu'il faudra attendre que bien des choses qui vous sont chères s'écroulent autour de vous pour que brutalement vous vous aperceviez que ce n'est pas le bien que je vous apporte, mais tout le contraire. Et malheureusement pour vous, il est parfois trop tard. Aujourd'hui, je séduis non plus seulement les hommes, mais également les femmes. Oui, monsieur, les pièces que vous avez commandées vous seront renvoyées d'ici la fin de la semaine. Bonne journée. Au revoir. Dites, Chloé, 2 semaines de retard pour cette commande. C'est normal, d'après vous? Cette commande a mis un peu plus de temps. J'en ai tellement à traiter. Pff, attendez, c'est un gros client. Bon, je vous le redirai pas. C'est la dernière fois. Oui, monsieur. Comment tu t'appelles? Dimitri.
Moi, c'est Manuelo. Manuelo, le grand. C'est moi, le moine boiteux, le capuchon vide, qui s'en va en tout lieu, faire peur aux timides. Oui, ma chérie, c'est maman Brufil. J'aurais aimé avoir un peu de tes nouvelles, ça fait un petit moment que je t'ai pas vue. Je voulais savoir si tout se passe bien. Bon. Eh bien, quand tu auras un moment de libre, appelle-moi. Je te fais plein de gros bisous. Ciao.